Bien-aimés de la vie des saints, aujourd'hui 22 avril, l'Église célèbre la mémoire des saints Épipode et Alexandre, martyrs. Les saints Épipode et Alexandre étaient deux chrétiens de Lyon, tous deux célibataires et jouissant d'une bonne situation. Pendant la persécution féroce de Marc Aurèle dans cette ville, en 178, ils ont été arrêtés, emprisonnés et finalement amenés devant le gouverneur. Le fait qu'ils reconnaissent d'emblée qu'ils sont chrétiens suscite l'étonnement du gouverneur, qui n'ignore pas les tortures et les exécutions féroces dont les chrétiens ont déjà fait l'objet. Cependant, le gouverneur ne s'est pas laissé décourager dans l'accomplissement de sa tâche. Il les sépara et tenta de persuader Épipode, le plus jeune des deux, d'abandonner sa foi. Mais le jeune homme loyal resta impassible et continua à professer sa foi. Il est alors étendu sur un chevalet et ses flancs sont abîmés par des griffes de fer. Il est finalement décapité. Deux jours plus tard, ce fut le tour de Saint Alexandre. Au lieu d'être effrayé par la suite du sort de son compagnon, il remercia Dieu pour son exemple et exprima le ferme désir de le rejoindre. Il fut flagellé sans ménagement, mais il resta fidèle à la foi. Finalement, il fut condamné à être crucifié et au moment où son cœur meurtri fut attaché à la croix, il passa à sa récompense céleste. Prions. Que la prière des saints Épipode et Alexandre nous rende agréable à tes yeux, Seigneur, et qu'elle nous fortifie dans la profession de ta vérité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Saint Épipode et Alexandre, priez pour nous. Tous les saints et saintes de Dieu, priez pour nous.